Salut mes amis, c'est Tuyen, votre guide au Vietnam. Et aujourd'hui, on prend un cours de Viet Võ Đạo. C'est un sport très connu au Vietnam. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, qui est avec toi, Tuyen? C'est avec entraîneur Đạt. C'est très connu parce qu'il a travaillé pendant 17 ans dans Viet Võ Đạo. Il était entraîneur très connu dans la Fédération nationale du sport Viet Võ Đạo au Vietnam. Alors toi, tu as une ceinture jaune et lui, il a une ceinture rouge. Pourquoi? Parce qu'il est moins beau que moi. Tại sao lại có hai màu khác nhau? Màu này là màu đại thấp hơn. Màu đại cao hơn. Ça c'est la ceinture au niveau supérieur et c'est la ceinture au niveau inférieur. Thực ra cái đai này là cũng lên để biến trợ giáo đấy. Thế là học mất bao nhiêu năm thì mới có cái đai vàng này? 2 năm. Il faut 2 ans quand même apprendre aussi pour avoir la ceinture en jaune. Thế cần bao nhiêu năm thì mới có cái đai này? Cái này thì khoảng tầm 9 năm. Il faut 9 ans pour avoir la ceinture médaille rouge. Deuxième étape, ça y est, Tuyen, cette fois-ci, tu vas combattre. Ouais, il est en train de me... Tuyen n'a pas l'air très rassuré. Attaquer, quoi. Voilà. Alors, il va quand même prendre la main, de tenir, et puis après, il va casser. Ouh là là, on passe à l'attaque directe. Et puis après, c'est... Oh ok. Voilà, je vais entraîner là. D'abord, il est en train de m'attaquer, et après, je dois prendre la main. Xoay người kéo từ xoay người kéo ra xoay tung lên xong đẩy này để nó tốc lên đấy tung lên xoay xuống.